Nous connaissons que monsieur, c'est une figure vraiment emblématique qui Costa Rica dans la dernière Coupe du Monde 2014, parce qu'il a une belle prestation qui fait arriver avec un gros contrat à ça. Donc nous voyons de près qui ça monsieur pourrait le faire justement face aux vaillants camarades de l'équipe Serbie. Et Wessner, nous avons commencé avec formation équipe avec Costa Rica. Sélection costaricienne qui a joué dans le système et 5-4-1. Tout d'abord, il y a Keylor Navas dans Golan, Giancarlo Gonzalez, Oscar Duarte, Johnny Acosta, et Christian Gamboa et Francisco Calvo. Et puis dans le terrain, il y a David Celso Borges, David Guzman, Joan Venegas, Brian Rus, et puis devant, il y a Marcos Urrea. C'est 11 monsieur Sao qui va démarrer le match football ça pour la sélection costaricienne de football amené par Ramirez Oscar. Ismaël, pourtant, Serbio a joué comment? La Serbie va jouer donc avec Vladimir Gostojkovic, le France Cap Giladan Landusko, Tosic Nikola Milenkovic, Abdi à droite Branislav Ivanovic, à gauche Alexander Kolarov, de l'axe Abdi Luka Milivojevic, Nemanja Matic, Abdi Dusan Tadic, Adam Jajic, Sergei Milenkovic, Savic, un joueur que Real Madrid rêve gagner dans le groupe li, Alexander Mitrovic, c'est 11 minutes qui a démarré pour l'équipe football ça qui a perdu par Kel Stajic, Mladen, vraiment, une équipe serbe, un peu le monde a prêté un gros de lit, et arbitre central, c'est Bréal, monsieur Djediou Malang, qui sont sénégalais. Ben oui, justement, capitaine, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, alors, faut que nous disions deux équipes au reste là, maillot rouge, short bleu, et bas rouge, alors que Serbie est obligé de m'habiller tout de blanc. Et lisez en rouge, donc c'est comme ça de l'équipe qui présente justement dans le stade ça que Matula pour aller à Braplo, c'est dans le stade Samara vraiment de Moscou que Matula va aller. La fille check comment et monde que stade ça prend pour nous. Mais monde, on va l'expliquer. C'est même Jacques Copa América 2007 au Venezuela. Copa América 2007 au Venezuela, c'est pas et monde qui sorti dans l'autre pays, donc t'es plein stade. C'est parce que et ancien président Hugo Chavez pas voulait paraître mal parce qu'il était l'autre rêve. Je pense que là aussi là on va pas c'est toute équipe qui match à tout monde ça parce que il m'a regardé hier. C'était 2500 dans un pays 2000 dans l'autre pays où se préparer mais football pas c'est ça. Même le l'autre monde de notre côté vous ne connaissez pas pour le qui pas venir. On met sûr c'est là aussi lui même tout qui font gens pour permettre que monde là qui vienne dans match pour le plein stade. C'est ça, et stade là, le Samara Arena, ils ont une capacité de 44 807 places. Et c'est parti, Wesley Charles. Ballon contrôlé rapide par la Serbie. Ils gagnent leur propre territoire avec la position ça Alexander Kolarov qui jouait dans l'axe du terrain avec Luka Milivojevic qui essaie de mettre la droite sur Branislav Ivanovic. La passe en avant, réception un peu manquée, mais très bonne couverture assurée par le joueur costaricien. Et ballon filé en corner. Corner qui pourra le soulever de la droite vers la gauche. Au profit de la sélection serbe de football avec Adem Eljajic qui lui-même pourra essayer de quelle mesure tu es capable de permettre à ce que l'équipe lit et scorer de très tôt. N'abgade arbitre central Grand Comboulan Cap dit monsieur, arrangez moi-même, faut que je me fasse travailler moi. Adem qui ballon soulevé, coup de tête en déviation, ballon dégagé par Giancarlo Gonzalez, intervention au milieu de terrain, mais arbitre estime que tu as une faute sous action. On a regardé Dusan Tadic qui va être capable de repositionner amis téléspectateurs et auditeurs Radio Télé Guinée ou à suivre la première rencontre journée et donc qui a joué entre Costa Rica et la sélection serbe de football. Donc c'est première équipe et dans la zone CONCACAF qui rentre dans la compétition. La relance avec Giancarlo Gonzalez. Bon calcul, la passe en profondeur du portier de la sélection et du portier de la sélection serbe de football, Vladimir Stojkovic. Tout ça est rentré la caillou, toute compétition grâce à Lisa Lotto qui m'a dit pour jouer bolette sous téléphone avec Lisa Lotto EDH qui m'a dit pour payer courant, Digicel, Duri Chaco, qualité, quantité, bon prix, Duri tout pays en Wissien.
et Branislav Ivanovic, récupération costaricienne, le centre à l'entrée de la surface, mais non, ballon repoussé, finalement c'est costaricien, l'ouverture sur le côté gauche, avec qui en position ça, le centre, ballon capté facilement, sous centre de Oscar Dualte, Mendewe, et donc frappe Octavalvini, avec Brian, qui démettait le main, et portier pas capable de faire mieux, ballon contrôlé très rapide, mais là, arbitre estime que tu as gagné position avancée. Encore une fois, on a apprécié ce plan et déviation de la tête avec Costa Iseo qui t'a mis plaisir, qui t'a mis ambiance dans le match de football. Si là, ballon poil joué avec l'équipe Serblan. Yo gain avec Dusko Tosic qui essaie de mettre le cœur de force là vers Nikola Milenkovic qui essaie de mettre pour Branislav malgré un grand effort que le déployait. Rien pas de marché pendant que l'on regarde Oscar Ramirez, technicien costaricien qui a demandé monsieur yo, faut qu'on capable et donc très créatif, une façon pour que jouer un bon mondial. Francisco Calvo qui essaie de mettre dans l'axe, très bon contrôle avec Neman Diamatit qui essaie de mettre la gauche vers Luka Mili Ivojevic qui est capable de mettre là en retrait, déviation marché avec Adem Eliaic qui essaie de mettre la droite, contrôle poitrine réalisé par Branislav Ivanovic qui essaie de mettre la droite, il est capable de jouer comme arrière central ou pourquoi pas comme arrière latéral. En tout cas, après des temps, intervention avec Dusan Tadic, ballon contré et le filet en corner. Encore une fois, réalisateur l'a montré nos actions, mais intervention de Francisco Calvo qui était concédé corner ça et c'est corner qui voit le soulever de la droite vers la gauche encore une fois au profit de la sélection serbe de football. Et déjà, nous avons plusieurs joueurs et donc Serbe déjà monté aux avant-postes. Façon pour que vous soyez capable de créer sur blanc et à jouer dans un grand lac en Europe. Attention, possibilité, le soulèvement. Qui est-ce qui a privé n'a pas les biens de sélection serbe blanc? Parce que en fait, si vous apprenez pour jouer un bon mondial, vous êtes capable de jouer une grosse compétition. L'Etlan Palote, couleur pêche et sa Carole Dim, on a DGIAN Coca-Cola, boisson mondiale. Attention, ballon contrôlé très rapide avec en position ça, Johnny Acosta qui essaie de mettre pour Keylor, Keylor qui balance le ballon en avant qui est capable de intervention de la tête, ballon contré, attention encore sur Renia, intervention finale avec mes arbitres préférés, tu es le sous action pendant que nous regardons monsieur qui voit le capable de reposer. Positionnel, Johan Venegas qui essaie de mettre en avant, ballon contré, dégagé par Branislav Ivanovic, et c'est un ballon qui file en touche. Ramirez cap montre que l'idée qu'on joue Bouldou, intervention à nouveau, passe le fait de l'axe, mais non, situation peut être compliquée, et là nous comprenons que tâche n'est pas aussi facile. Là n'a pas gardé, et Kerstadjic qui lui-même a placé monsieur, l'a dit monsieur, pas trop pressé, pas aller à l'euphorie, il faut qu'on soit capable de jouer. Et puisque nous avons une équipe valable qui est capable de jouer mondial ça, parce que le fait en avant, ballon dévié, rebond favorable à l'équipe et costaricienne de football. Yo joue à droite sur et Johnny Acosta. Johnny qui mettait en avant en direction de Marcos Ourenia qui a muselé dans la défense là à chaque fois. Où est-ce que vous lancez là? Nous avons deux joueurs qui soulient ballon avec Vladimir Stojkovic qui a contrôlé le ballon. Il mettait le cœur de défense là avec Alexandre Kolarov qui jouait en retrait vers Dusko. Dusko calmement. Et là, nous comprenons. Tachel pas aussi facile finalement. Parce qu'il fait en retrait avec Dusko. Dusko qui mettait pour Nikola Mil. Et sur le côté gauche, attaque à l'équipe de la Serbie. Mais non, il frappe le mal ajusté de la part de Alexander Kolarov qui d'ailleurs, c'est capitaine équipe ça, à mes côtés, le prend chance de loin. Ballon qui était allé nettement à côté. Et du but gardé par le porteur de la sélection. Et costaricien de football, pendant que nous avons gardé Alexander qui a placé monsieur là. Et nous comprenons que ce n'est pas une tâche facile. Relance pour assuré par Keylor Navas, le porteur costaricien. Et qui lui-même mettait en avant, qui se fait une bonne campagne dans la Ligue des Champions avec l'équipe Real Madrid qui d'ailleurs sacré champion. Et je garantis si ce n'est pas dans la course à que lié. Il tape sous plateau déjà
dans ça qui gagne ouais avec monde qui qualifié pour d'amener porter monde là rentre de touche qui va l'exécuter rapide avec Branislav Ivanovic qui mettait en avant intervention. Est-ce que il y a faute maintenant arbitre là du jeu boule ballon récupéré par les costariciens qui gagne dans cœur défense li avec Giancarlo Gonzalez. Gonzalez cabecé monte vers le pied, la passe en avant pour Guies Marcos Ourenia qui écarte la gauche vers Brian. Attention, attaque à l'équipe costaricienne. Ballon contré. Johan Venegas. Il contrôle le ballon. La cherche au partenaire. Il est capable de jouer. Johan Venegas capable de centrer. La passe à l'entrée de la surface pour Guies. Pour personne. Sinon, c'est un ballon qui allait dehors. Et Johan Venegas qui est donc excusé-lui auprès de coéquipier puisque passe l'empaté bon. Là, on a regardé coach Pakachita. Libera campé puisque. Et donc, travail là. Son travail qui dure d'ailleurs. Il a été fait une bonne prestation en 2014. Il va falloir qu'il soit capable de faire même bagarre plus. Donc, c'est mission ça. Même s'il a un temps difficile pour le champion, mais depuis qu'il a participé, toute équipe a même chance. En tout cas, après des temps, c'est vrai. Il y a un qui est capable de partir favori. Et donc, par rapport à l'autre, mais quand même, il y a même chance là. Inter, bonsoir, nouveau passe en retrait. Et l'ouverture sur le côté gauche. Ballon contrôlé par Alexander Kolarov. Appel de ballon fait par Luka. Luka qui essaie de mettre en retrait. N'a pas les mêmes de Luka. Milivojevic qui essaie de mettre en retrait. Landa supposé joindre. Nicolas Milenkovic qui gagne contrôle ballon bien joué. Li mette à droite sur Branislav Ivanovic. La passe en retrait avec Nicolas qui joue vers Edus Kotosic qui capable de mettre en retrait. Monsieur KBC monte ballon pied avec en position ça. Le joueur serbe qui essaie de mettre en avant. Bonne prise de balle avec Keylor Navas qui va le tenter de dégager. Landa Gade et Dusko qui lui-même t'a essayé de prendre chance li, mais c'était bien compté, mal calculé avec yon Keylor Navas qui est donc omniprésent. Côté l'Abgadé, pour le est-ce qu'elle est capable de permettre à ce que l'équipe li aller très loin dans la compétition ça. Intervention de la tête, ballon filé dehors. Là, on a regardé, et donc Brian, et qui lui-même c'est capitaine, équipe, et costaricienne, qui va laisser mettre de l'axe avec David Guzman. Guzman qui est écarté sur le côté gauche, en direction de Francisco Calvo, qui mettait le vers Oscar Duarte. Duarte qui joue en avant, ballon l'intervention de la tête, qui est escabrivé, contrôle parfait, réalisé par le joueur costaricien. Il contrôle le ballon avec un Venegas. Attention, il essaie de dribbler. Ballon qui contrait et le filet en corner. Corner au profit de la sélection. Et donc, au Saïtien de football, maintenant, c'est de préférence entre les touches avec Francisco Calvio en lieu et place le corner. Et c'est pour le capable, nouveau corner ou encore, il entre les touches, pardon, au profit de la sélection. Et donc, au Saïtien de football avec Francisco Calvio qui mettait de l'axe le centre à l'entrée de la surface. Encore une fois, ballon qui contré et ses nouvelles rentrées de touche au profit de la sélection. Et donc, Costaricien de football, Johan Venegas qui a laissé faire dribblant, ballon qui contre bénéficié. Et donc, sorti ballon ça, c'est pour le capable ballon qui va le jouer avec l'équipe Costaricienne. Mais c'est un nouveau corner pour l'équipe Costaricienne qui a essayé de peser accélérateur puisque pendant la dernière minute, nous, c'est eux-mêmes qui ont contrôle ballon. Passe l'en fait bien joué, dévia sur le marché, le centre à l'entrée de la surface, coup de tête, mais non. Ballon qui passe tête goal. Sous coup de tête, ça que t'es pas réalisé par Giancarlo. Et donc, début gardé par le portier de la sélection. Et donc, serment de football. Les vocants, mes amis, c'est où vous faites tête ou. Et bien, moi, je fais le boum, bah, ouais. Et vous avez une baisse tête ou là pour dire ça qui a passé. Et prochaine fois, on est capable de faire le mieux, amis. Prochaine fois, on est capable de Vikovic. Intervention de la tête réalisé par Sergei Milenkovic-Savic. Et couverture de cassure. Par Keylor Navas et très bon portier qui va le capable de relancer. Keylor Navas qui voit tout le temps bien avant. Lui mette ballon sans jouette. C'est patience pour gagner et pour capable de briver là. Et faut nous comment pour manœuvrer puisque nous avons talent. Nous avons pile talent. C'est qu'on est nous pas comment pour utiliser. Et depuis que nous comment pour utiliser, assurément nous avons fait un bagage et là nous gardé. Keylor Navas portier costaricien qui soit dégagé. Rentre de touche avec Branislav Ivanovic.
Stojkovic. Là, c'est compétition. Grand la cour en cap jouer là. Bon calcul, possibilité de centre. La passe à l'entrée de la suivante. Bien joué, capable de problème. La frappe ballon contre capté sec mon copain. Par Keylor Navas. Qui lui-même mettait tout le monde à l'aise sous frappe ça. De Alexander Mitrovic. Keylor dit mon cher. Moi, plusieurs ballons comme ça, ça va bien qui était moi. La passe de Keylor sur le côté gauche. Passe en avant avec Francisco qui mettait le bouillon Venegas. Venegas qui a essayé de monter balle au pied. Attention, il est capable de centrer maintenant. Pas d'espace. Il joue pour Francisco. La passe au milieu. Déviation Machias que la joigne. Will joigne. Dans position, ça va mettre en profondeur. Déviation. Intervention finale est propre. Au niveau de la défense serbe de football. N'a pas joué un bon match de football là. En pile technique là, Dani Busque. N'était-ce pas? Et donc, il y a une très bonne intervention du défenseur serbe. Eh bien, Ecosaricien, tu es capable de faire l'essentiel encore une fois. N'a regardé, écoutez, monsieur lui-même, il a laissé faire intervention. Ballon joué très rapide avec l'équipe costaricienne, pas pour longtemps, puisque c'est Serbio qui gagne dans position ça, avec bien évidemment Nicolas qui écarte le sur Branislav. La passe axiale, déviation qui marche avec Luka Milivojevic qui gagne contrôle ballon. Est-ce que le voilà doit maintenant? Il préfère faire une mauvaise passe. Récupération avec Johan Venegas qui rabat vers l'axe. Déviation match avec Brian Lewis qui mettait en profondeur. Attention, capable de problème. Très bonne couverture et bonne gestion. Et du ballon au niveau de la défense serbe de football. Là, on a regardé encore Sourenia qui était en lutte avec défenseur l'homme qui était en raison puisque il était très combatif. Nandjelsa Elgeni, la passe de Neman Diamantit et qui mettait la gauche pendant que monsieur avait essayé de monter avec l'imposition. Ça, il y a Itken Batroa, ouais. La passe en retrait avec Adem. Adem qui fixe vis-à-vis. La passe en profondeur, déviation et serbe. Attention, la passe à l'entrée de la surface. Ça a l'air de goal. Si le goal la belle en pile, la passe à l'entrée de la surface. Mais bon placement. De géant toujours là. L'ouverture sur le côté droit. Qui est-ce qu'a joué? Contrôle poitrine avec Edusan Dadic. Dadic qui prolonge. Possibilité de centre. Bon ligne de conservation. La passe à l'entrée de la surface. Mais quelle parade spectaculaire réalisée par Keylor Navas. Oula! Même pour son antenne radio, télévision paysan, radio télé Guinée, jusqu'à présent, zéro pour équipe costaricienne, zéro pour la Serbie. Et félicitations à Keylor Navas, sous très bonne passe, qui est bien ajustée par Branislav Ivanovic. Voilà, c'est en direct de Samara Arena que nous avons suivi ce 9e match à la Coupe du Monde là, sur Radio Télé 4x4 là. Il n'a pas avancé, Ginadel. Loto en balote, que Lisa Loto, yon centre, rale téléphone ou coup de tête, et puis joue, c'est d'ailleurs tout champion. EDH qui m'a dit pour payer courant, on a DGIAN, boisson mondiale, Coca-Cola. Ismaël. Et c'est ça vraiment, c'est vrai, le ballon avec l'équipe Costa Rica. Bon, ça, c'est petit la gueule, Shell, bien comme ça, monsieur. Monsieur, mettez le ballon devant ce lambonzé. Vous connaissez comment ça le fait. Le ballon, madame, monsieur, avec Oscar Lowell, le tecteur de mettre le ballon. La passe en retrait de l'axe du côté de l'équipe. Et Costa Rica, yo, tente de mettre le en retrait. La passe de l'axe en direction de qui n'a parlé justement de Celso Borges qui mettait le sueur à David Guzman. Passe en avant le ballon poussé de la tête par un joueur et serbe, monsieur, mettez sur le côté gauche avec Alexander Kolarov. Passe en profondeur et là finalement c'est prêt le ballon avec Keylor Navas qui est capable de mettre le ballon libre seul, libre tel, il mettait le devant avec Oscar Dualte qui s'amuse dans l'axe sur David Guzman. L'abgade Guzman, madame, monsieur, qui mettait à gauche. Passe en retrait de Francisco Calvo avec Dualte qui est sur Keylor Navas qui prête de mettre le ballon en avant. Le contrôle de Keylor, Keylor toujours la défense à gauche avec Oscar Dualte, madame, monsieur, pour l'équipe Costa Ricienne, monsieur qui a fait c'est le ballon, mais nos ballons contre ballon dégagé par un joueur Costa Ricien qui est capable et là, tu as une faute au dépens du joueur de la sélection serbe à la personne Luka Milivojevic. Et nous ouais intervention joueur Costa Ricien, il un match de ball qui gagne un pile technique, un pile physique là dans le tout. Et puisque nous on est Costa Ricien, vraiment nous gagne des joueurs qui réputés pour ça, surtout avec et des joueurs de coup, Celso Borges, David Guzman dans zone de récupération. C'est des joueurs qui sont très durs sur l'homme. C'est pour le Yokova.
avantage équipe serbe, monsieur, pas capable de mettre ballon sans le doute avec Alexander Kolarov et là nous ouais et Dusan Tadic le même tour à pied gauche pas laisser mettre l'abgade arbitre central Djediou Malang lui-même qui sont sénégalais cap diriger match football ça et là nous allons parler avec joueur costaricien la personne et il a parlé justement de monsieur David Guzman pour le David et vraiment retenir en place au ballon soulevé par Dusan Tadic ballon arrivé de la tête par un joueur costaricien. Ballon poussé de la tête finalement. Ballon dégagé par Marcos Ureña dans la défense de l'équipe costaricienne. Et dans la défense de l'équipe costaricienne, et là nous avons gagné Nikola Milenkovic qui était monté aux avant-postes qu'elle créait sur le bleu. Rapidement, c'est prêt le ballon avec l'équipe serbe. Monsieur mettait le poste à droite en direction de qui la palette bien de Nikola Milenkovic qui mettait à droite vers Branislav en retrait avec Nikola Milenkovic qui jouait dans position si là Luka Milivojevic la passe sur le côté gauche avec Alexander Kolarov en retrait avec Nemanja Matic qui mettait nettement en retrait de la défense avec Milenkovic et Nikola qui finalement mettait le bien joué ça bon côté serbio avec Matic toujours la défense à droite avec Nikola Milenkovic qui jouait le pour Branislav passe en profondeur le prolongement vers Dusan Tadic Dusan toujours pour la sélection serbe le Diffon Kabe Calvo Dusan Tadic maintenant récupération par Boulot finalement Dusan centre ballon poussé de la tête par Gorgon costaricien deuxième balle avec la sélection serbe passe en retrait équipe serbe monsieur Kafessi enculé le ballon le propre tête Yokuni avec Dusko Tosic qui finalement mettait le quatrième côté que l'idée joint le Yomoun Kurele Luka Milivojevic qui est capable de mettre le ballon passe en retrait le seul reçoit avec Luka qui s'est échangé de côté qui allait sur le côté gauche ballon de la tête par Adem Yahic qui joue Alexander Kolarov dans cette position avec Neman Djamatic en retrait avec Nikola Milenkovic la passe à droite vers Branislav Ivanovic le soulèvement ballon poussé de la tête par un joueur costaricien c'était bien Giancarlo Gonzalez ballon dégagé par David Guzman finalement c'est bon avec costaricien yo gagne la position ça est-ce que c'était avec Yoran ou bien Brian Ruiz oui c'est Brian Ruiz le capitaine qui mettait à droite avec Christian Gamboa avec Brian Ruiz toujours passe en retrait la passe de l'axe et pour Magaï nous saluons Cordo monsieur capable de mettre le ballon il gagne la position ça avec Oscar Drolte qui capable de mettre en avant le contrôle passe en avant intervention du côté serbe récupération de l'aviation de Milenkovic Savic c'est un ballon avec Dusan Tadic pour la sélection serbe qui tente de mettre en avant mais couverture avec Giancarlo Gonzalez qui joue là en retrait avec le portier d'un palais justement de Keylor Dalax qui joue dans Celso Borges mais joue sa Celso avec David Guzman qui est capable de jouer longue longue passe de David Guzman la chercher Yoran Venegas contrôle avec Yoran Venegas lui fait contrôle la passe mais non ou Tetro Somnola tacle et la faute pas gagné intérêt pour faire faute ça là Francisco Calvo carton jaune et carton jaune mesdames messieurs pour Francisco Calvo pas gagné intérêt pour faute ça. Nga geta met ballon du yo. Joue a geta met ballon du yo, monsieur Dakle nan quand même. Et avantage t'a poulé. Normal. Oui mais et, là, et taxa aussi message voyez. Oui. Message. C'est que oui, parce que nga il a joué solide, son match solide, très physique à jouer. Il y a des fois monsieur Sebio a fait faute ça en l'air tout il fait lui. D'accord, on a dit tout à mais il montre que n'a joué avant. Bon. Et d'accord, faute là quand toujours fait mais ça et carton jaune nazé, lit trois bonheur et pour un joueur comme Francisco Calvo, cap jouer comme étant demi d'elle. Travail que l'a fait à monter des sansa, les besoins d'énergie, les besoins plus de sûreté et courrier pour carton jaune bonheur comme ça et capable vraiment mettre qui vont difficulté. Regardez belle Costa Ricien yo. Oh, Bouboul, au salut Radio Télé Guinée. Bon oui, gen Bouboul qui a frappé, puis là nous même n'a frappé tout parce que gen moun qui investit pour permettre nous clair, permettre nous propre. Lisa Loto qui m'a donc joué bolet tout sous téléphone. Il est pour fin jouer sous téléphone ou tout champion. EDH qui m'a dit pour payer courant pour capable joindre courant pour Coupe du monde là. Digicel, Duri Tiako, qualité, quantité, bon prix, Duri tout pays. Lettre Gloria, bien poisson, riche en vitamines, crème Clarisse, cap bon petit couleur pêche. Il va changer couleur qui est au jonge. Ouais, va changer couleur. On a DGI, AN, Coca-Cola, boisson mondiale. 23e minute de jeu, 0 pour Costa Rica, 0 pour la Serbie. C'est un ballon avec équipe, avec Dusko Tosic qui est capable de mettre en avant.
la passe madame monsieur vers Neyman Djamatic qui est capable de jouer à droite devant cela avec Nikola Milenkovic qui fait contrôle la passe autre avec Etosic qui met nettement en retrait avec Vladimir Stojkovic le portier qui est capable mettez ballon le monsieur Presson Libretel la base à défense avec Dusko Tosic qui est capable de jouer en avant le contrôle de Dusko Tosic capable de mettre en avant Dusko toujours pour la sélection serbe le soulèvement ballon les caisses qui a privé ballon boussé de la tête par Giancarlo Gonzalez deuxième balle avec Celso Borges mauvaise passe récupération serbe passe en avant et de Luka Milivojevic la passe en retrait madame monsieur du côté serbe monsieur mettez ballon de l'axe bon même dame match Corée du Sud de Serbie dans la compétition Mimdarmissa c'est prêt le ballon avec et avec Tadic qui mettait le ballon devient mais est-ce que le ballon a sorti Christian Gambo à la récupération le mettait pas ça quand même pour Brian Ruiz le capitaine costaricien qui fait un prolongement pour Christian Gambo à passe ballon devient récupération serbe gros bel volume football comme joué là monsieur Gell avec Branislav Ivanovic voici l'homme Ivanovic et vraiment c'est prêt le ballon avec l'équipe et c'est blanc avec Neyman Djamatic qui tente de mettre le ballon en route avec Dusko Tosic qui fait contrôle la passe de Tosic pour son partenaire à défense à droite Nikola Milenkovic à droite avec Branislav en route avec Nikola Milenkovic qui est capable de mettre le ballon monsieur Presley Libretel la passe avec Luka Milivojevic Luka pour la sélection serbe lui capable de mettre l'avant Luka Milivojevic le prochain avec Branislav en route avec Milivojevic toujours qui s'appuie nettement en retrait madame monsieur avec Milenkovic qui joue à Tosic Tosic capable de mettre en avant le contrôle de Tosic Tosic cherche au partenaire la préterre Tosic toujours la passe avec Milenkovic la défense avec Tosic et finalement monsieur gagne la position ça avec Neyman Djamatic qui était ballon sur et Tosic qui tente mettre le avec Ivanovic et monsieur avec Kolarov de préférence la passe de l'axe la déviation, madame, monsieur, équipe serbe, Costa Rica tellement bien regroupé défensivement, et serbe obligé à passer ballon, et ne propre territoire, en défense surtout, c'est prêt à rentrer touche avec, Alexander Kolarov sur le côté gauche, ballon devient, passe en retrait du côté serbe, Jürgen Delaxe avec Luka Milivojevic, et nous, capable de monsieur pour que vous avancez, Luka Milivojevic toujours, passe profondeur contrôle, ballon devient, danger pour la sélection costaricienne, passe. Ballon contré, ballon dégagé par un joueur costaricien, ballon repoussé par Milenkovic, Nicolas, ballon Chanel, danger pour la sélection costaricienne, ballon contré là, Mitrovic Patalez, ballon dégagé par un joueur costaricien, regardez vraiment Alexander Mitrovic, cap joué pour l'attaque, équipe ensemble, le prolongement du côté costaricien, costaricien qui finalement comprennent, il y a PC contre Anaki alors que, moi pensez, j'en noté comment ce match bon là, c'est comme ça pour nous arrêter, et la question de et passer ballon, moi faire 2, 3, 4 passes qui tapent le nom en pile et là vraiment Méni, monsieur en fait fly, même Jean Gondis qui capitaine tout qui fait fly, vous n'avez pas voulu dire ça, moi même pour me dire quand même, soyez j'ai regardé. C'est bon, dis qui est capitaine qui te fait fly. Oui, là, monsieur, welcome. Ah, Babgan, et avec ses amis. C'est prêt, nous allons avec l'équipe costaricienne. Et on mettait là avec. Il va te faire fly. Il lag à vide. Un lag à vide. Et là, monsieur, on est dans le ballon, mesdames, monsieur. Pépite, jusqu'à présent, 27e minute de jeu. Et là, c'est prêt, le ballon avec l'équipe. Et c'est bleu, vraiment capable de comprendre toute bagarre en forme, Zami. Yo, gagne la position, ça. Avec Dusko Tosic, qui est capable de mettre le soulèvement ballon là. Danger, frappe. Bien joué, ça. Keylog qui tape suivre. Lidi, pas de bagarre comme ça. Là, regardez Sergei Milenkovic, Savic, que nous pas trop bien ouais dans le match là. Et voilà, mais est-ce que tu es en position avancée tout sous action? Et oui, sans nul doute. Et tu es en jeu mais qu'il a dit pas qu'il m'a répondu à Zami et pas contre position avancée pas contre si à siffler mais même ça me fait acquitter me fait le siffler le siffler faut assister ou encore faut apprécier sûreté qui gagne un bon côté qu'il en avance et oui c'est ça vraiment gardé ça c'est le ballon Keylor qui mettait le ballon soulevé, ballon les caisses qui a privé, c'est pral, yo ballon avec équipe ensemble, puisqu'on a estimé que t'es gagné faute et là n'a pas gardé, et vraiment, et Yohan Kapal en pile, n'a pas gardé tout Branislav, monsieur, on commence à l'âge, et vraiment, gain de duel que le pack a fait encore, c'est pral, yo couvre l'avantage, équipe, et serbe vraiment, monsieur, pral capable de mettre le ballon, le propre territoire, avec Nikola Milenkovic qui mettait le en route avec, et porte n'a pas les hommes de.
Vladimir Stojkovic qui finalement allait en défense à gauche avec Luskotozic qui mettait de l'axe la déviation, madame, monsieur, de Luka Milivojevic avec Luskotozic toujours qui est capable de mettre la route passe de cette position avec Nemanja Matic, la passe à droite vers Branislav qui était fait pour logement. Le prolongement, est-ce que Joël Abgué est arrivé? Contrôle avec Dusan Tadic. Autre, Palo poussé de la tête. Deuxième balle avec la sélection serbe. Monsieur Guel avec Kolarov qui mettait le en retrait. Et estimez que l'équipe serbe jouait 3 en retrait puisque il a gagné de très beaux joueurs. Il est capable de créer sensation, mais il joue 3 en retrait. C'est alors, le ballon avec Serbio qui contrôle le ballon. La passe à droite vers Branislav qui tente de mettre en retrait. Gardons belle équipe football, monsieur. C'est la Serbie. Est-ce que Brésil est capable de courir l'équipe ça dans la Coupe du Monde? Et là, nous connaissons le Brésil de nos amours. Et t'as un meilleur équipe là, jouer comme ça. Mais face à la Serbie, j'ai moyen. Serbio qui est pral et vraiment monopolisé le ballon. C'est prêt le ballon avec équipe en Serbie. C'est comment c'est un problème? Avec Duskotosic, monsieur mette le ballon à droite avec Branislav Ivanovic. Passe en retrait de Branislav, madame, monsieur, qui tente de mettre le avec Nikola Milankovic qui finalement mette le ballon. La passe de Nikola dans cette position avec qui on parlait de Luka Milivojevic qui fait coup de LL, mette le en retrait avec Nikola Milankovic pour Milivojevic qui tente de mettre l'anticipation avec Francisco Calvo. La passe de l'axe vers Celso Borges. Joué ça, Celso qui tente à la droite. Christian Gamboa contre le manqué. Et là, vraiment, l'estime que tu as gagné faute au départ d'Alexandre Kolarov et Wessner. Alors, je sais, on t'a parlé de Branislav Ivanovic qui commençait pour l'âge. Fondu, monsieur, ça a 34 ans. Il fait 103 sélections. 13 goals qu'il a déjà marqué pour l'équipe. Li. Donc, monsieur, ça a mesuré 1m85. Et là, vraiment, bon, monsieur, après l'âge, c'est prêt le ballon avec équipe. Avec équipe ensemble, nous faisons gagner avec Duskotosic qui est capable de mettre en avant le contrôle de Dusko. Dusko toujours aller en retrait avec Nikola Milankovic, partenaire de la mettre à droite en direction de qui la palais justement de Branislav. Il est là avec Dusan Tadic de l'axe. Il était joint et Milivojevic avec et monsieur Branislav qui mettait en retrait. 35 minutes de jeu, 0 pour la Serbie, 0 pour la Costa Rica. Toujours en soutenu Radio Télé, maman même. Radio Téléguinan sur action ça avec Tadic qui mettait le danger pour la sélection costaricienne. La déviation vers Dusan Tadic qui est capable de mettre le paquet. Mais non, récupération costaricienne et la faute de Dusan au départ de Yoran Venegas Ginadel. 0 pour Serbie, 0 pour Costa Rica. Lisa Loto qui m'a dit pour jouer tes bolets sous téléphone. Râler téléphone, jouer bolets tout avec Lisa Loto ou tout champion. EDH en payé courant, ONA, DGI, payé taxes et impôts. AN, Coca-Cola, Boisson Mondiale. Et là, et c'est un ballon que Keylor Navas pourra être capable de dégager entre temps. Et il y a un technicien serbien qui lui-même a préparé lui pour lui voir qui ça pourra être capable de faire. Et Keylor prend Elani, il tape le ballon. Qui est-ce qui a raison? Il y a un coup de tête pour capable repousser le ballon avec Ivanovic. Il y a un ballon qui allait à gauche, Serbio, avec Kolarov. Et Kolarov qui a du mal finalement, il joue dans la position ça. Avec Dusko qui jouait pour Nikola Milinkovic qui allait à droite pour Ivanovic qui centrait, il essaie de mettre lien avant mais non ça pas marché, ballon ça qui passait dehors. Moi dans mon match et Croatie Serbie tout en hit, dans mes yon Islande Suède tout en son. Ismaël vous t'a demandé pour un match et Serbie Corée demain je non Suède Corée pas fin mal. Non, oui, il n'y a pas fait de mal. On peut l'aigner courir, pas de déranger tout, non? Jamais. Et là, il y avait essayé de contrôler un joueur dans la position ça, avec Branislav qui mettait lui en avant, qui mettait lui en retrait, disons mieux, à gauche dans la défense serbienne, Dusko qui allait pour ça, pour Nemanja Matic qui joue en retrait, avec Nikola qui allait à droite, pour Ivanovic qui dégageait ballon en contre, et il y allait en touche.
match ballon qui était joué encore costaricien et apparemment Yoan Venegas ou effectivement Yoan Venegas qui était lui-même recevoir coup de ballon ça et sous dégagement non là son parti qui est très sensible pour footballeur yo non pour footballeur yo et coach Jean Roland coach Dino qui a témoigné ou regardez ouais l'on confond pour le tirer c'est ça aucun mais par contre mesdames yo on nous protéger sain mais sain me dit qu'on dit me protéger mais monsieur yo dégagez nous qu'un petit parti nous qui est-ce qui a contrôlé un ballon qui jouait qui montait en chandelle et une déviation de Yoan Venegas et ballon ça qui était en aller en touche. Il touche que Branislav Ivanovic pourrait être capable d'effectuer. Et Branislav qui prend une déviation en fait, ça pas marché. Et un ballon qui allait en touche à nouveau déjà. Et il montre Oscar Dualte de dos. Et Mitrovic Alexander qui lui-même a suivi. Et Venegas, il pourrait jamais finir remettre lui. Et de coup de ballon, ça, habituellement, on a un petit pipi qu'on dit qu'il fait. Et qui pourrait, mais c'est le Kembel, qui pourrait remettre lui. Et de coup de ballon, et il y aurait très touche pour Costa Rica, et qui était fait avec Oscar Dualte. Ballon à contrôle avec Serbio, est-ce que pas de faute? Il y a un ballon qui allait en touche sous direction l'autre habit là. L'idée c'est pour la Serbie, Branislav, qui va être capable lui-même effectuer très touche ça. Ancien joueur Chelsea, et Branislav qui prend l'un, pas marché, et Serbio qui récupère avec Mitrovic qui fait passe là en direction. A passé, les ABC contrôlé, l'arrivée passé, on mettait la tête, ça habite là dit, et on dit gain faute sous action. Gain faute sous Dusan Tadic. Et là, oh, t'es gamin. Mais malheureusement, Sergej Milenkovic Savic, joueur Lazio de Rome, dans le pays, l'Italie. Et déjà, nous, Celso Borges qui montre lui très remonté vis-à-vis de décision arbitre. Il y a Moutro, Branislav, Mitrovic, tous ces joueurs qui très bons de la tête. Et Kolarov, yon très bon botteur. Les rabalé directement dans le gol. Joueur l'empré, il li tape ballon. Mais Keylon a va sorti. Et li repousse. Yon coup de tête dans le cancer bio. Qui est-ce qui a contrôlé? Coup de tête, joueur la vine avec toute autorité. Li. Et li dégage. Habit là. Qui mande rapidement pour médecin. Yon fou les pelouses là. Monsieur Bina, ouais. Toute force li. Et nous te voulons parler de Dusko Tosic. Dusko Tosic qui lui-même a été frappé Yoni Acosta. Vina coude lito, hein, c'est coude l'album. Ouais. Yoni Acosta. Et mais malheureusement, tout de retraite Moutrou et Keylor Navas qui est obligé de plonger et pour te boxer ballon ça. Ouais. Pour te éviter que lui rentre dans le goal. Mais action Keylor Navas, le portier merengue. Qui repousse les ça qui fait fanatique Serbio content pour le capitaine. C'est ça, il n'a pas rappelé tous les amis sportifs qui branchent Radio Télé 4x4, la Radio Télé Guinée à travers VIA. Il n'a pas rappelé nous en direct depuis Samara Arena, depuis le pays là où ici, pour 9e match Coupe du Monde là, entre le Costa Rica et la Serbie. Ce score de départ là qui a persisté toujours 0-0 en deux équipes et déjà on a vu 36e minute de jeu. Donc, nous voyons que Costa Rica est lui-même absorti là. Est-ce que Monsieur Abka a continué ou pas? De toute façon, on a regardé l'action encore une fois. Voilà. Coup de Monsieur Albrecht. Gosa bout de garçon, ça, masse athlétique, ça, et touché pour Diabdi à Costa. Monsieur Avina, tout poil, tout. Gardez Gosa pour Westin avec l'âge. Monsieur Avina, avec tout poil, tout l'âge, il rentre dans petit mounio. Monsieur. Et puis il touche tout lui-même. Acosta va petit tout le monde. Non, mais. Regardez la réponse d'Acosta. Acosta prend une bonne range tout. Mais c'est Acosta qui fait plus parce qu'il frappe. Oui, c'est lui qui vient frapper. On va parler de Dusko. Oui, Dusko Tosic. J'ai de 33 ans. Et monsieur fait 24 matchs pour sélection déjà. Et monsieur fait 19 janvier 1985. Il a déjà marqué un goal 1m85.
1m85. Bon, ouais. Et voilà. qui go seul? Ouais, monsieur. Donc, pas mentionné. N'a pas avec. Et là, il y a un ballon qui joue dans la position ça. Et il y a un coup de tête. Qui est-ce qui a raison? Et il cherche un monde ballon qui lui-même et aller en touche. Bon, d'après bon étudiant à 1m87. Oui. Je t'ai supposé à peu près 77 et 82 kilos. 77, bon. Mm-hmm. Et il va vite, non? Non, ah, 77, oui. Là, c'est pour Acosta. En 77, ah ben, on bout de garçon, toi à presse. Qui est-ce qui a contrôlé? Ils ont joué dans une position avec Branislav, un match qui font casser pour l'instant. Alors, il y a des grands mondes, il y a une 34, il y a une 33. Ah non, les pères ont tapé trip. Qui est-ce qui a pressé contrôler Kolarov, qui dégageait quand il y a un ballon qui montait en chandelle, coup de tête, un costaricien, qui a pressé jouer, il passe avec Brian Wiss, Wiss qui allait de l'axe pour Celso, et Celso Wiss. Whisky essaie de jouer en direction de Venegas. Ça n'a pas marché. Défenseur là qui trébuche. Yon passe avec Marcos. Ourenia, frappe de Ourenia, mais non. Mm-hmm. Ballon ça qui passe à côté. Et entre temps, Abdi ou râle téléphone ou jouer bolet ou avec Lisa Lotto. Et s'entendez, de pour fin jouer avec Lisa Lotto ou tout champion. PDH qui m'a dit pour payer courant pour capable jouer un service. Et Duri Chaco, qualité, quantité, bon prix. Duri tout payant. Let Gloria bien poisse, riche en vitamines, crème Clarisse, cap clairé ou on a DGIAN, Coca-Cola, boisson oh. Mondiale là. Oula! Ça qui est cute. Oui. Oula, ça c'est une belle image, Coupe du Monde là. Tu vite là, habillé pour événement. Et là, qui est-ce qui a contrôlé? C'est Costaricien qui a passé avancé, mais non, il n'a pas marché. Il y a un ballon qui a joué Stojkovic qui mettait lui en avant. Il a fallu une position ça. Petit point qui réussit. Il a quitté là pour Venegas. Venegas qui allait pour Calvo. Calvo qui tentait centré, mais ça n'a pas marché. Et ballon qui lui-même allait dehors. Il a passé montrer nous. Est-ce qu'elle était contré? Oui. Et ballon qui contré? Et encore, et Branis. Slav malgré le TC effort c'est lui mais ça pas marché ballon ça qui t'aller connait un avantage costaricien yo avec gros Guzman qui va capable taper connait ça Guzman prend l'an il met le ballon en avant un coup de tête dans Serbio et pour repousser qui est-ce qui a joué Dusan Tadic tacle de défenseur c'était de préférence Ourenia qui t'a barré qui mettait ballon ça en touche n'a joué Alexis 40e minute dans jouet là, c'est toujours zéro pour l'équipe Costa Rica, zéro pour la Serbie. Le score de départ qui persiste entre Serbes et Costa Ricains, Branislav Ivanovic, l'ancien capitaine de l'équipe de Chelsea, qui a surtout touché rapidement pour l'équipe serbe, non contrôlé et par les Serbes, la passe au milieu, bonne réception du joueur serbe, ballon sorti en touche, finalement avantage sélection et Costa Ricienne 0-0 entre Costa Rica et la sélection serbe de football, c'est Johnny Acosta qui a se touché le ballon contrôlé par Acosta qui mettait la profondeur contrôle pratique réalisé par Ruiz. La passe au milieu, bonne réception du roi de la formation et costaricienne. Ballon contrôlé par l'équipe costaricienne qui pour l'instant a essayé construit. Passe en fait sur Gonzalez. Ballon contrôlé par l'équipe costaricienne à partir de propre territoire. Il y a un passe qui fait dans le défense sur Giancarlo qui met des passants vers Oscar Duarte, ballon contrôlé par la sélection costaricienne de football avec Celso Borges qui met passe en retrait sur Giancarlo à la droite et ballon contrôlé par et la sélection costaricienne de football. Attention, Fandi que défenseur costaricien permuté Tatoué Johnny et Tatoué et Giancarlo dans l'axe. Tatoué passé à droite, ballon contrôlé par les costariciens qui a mis pression. Bon dribble, attention, le tir. Yon ballon qui passe à côté, yon tir signé Francisco Calvo pour la sélection costaricienne de football. Ballon passé légèrement à côté et cage et Vladimir Stojkovic pour la sélection serbe de football. Et donc Costa Rica jusqu'à date a gratifié de mon match face à la sélection serbe de football.
pendant que Vladimir Stojkovic a parlé avec M. Lio. Écoutez, réalisé par Alexander Mitrovic. Ballon contrôlé par l'équipe costaricienne. La part de Gamboa. Maintenant, ballon repoussé. Intervention du côté de la sélection de Kolarov. Attention, attaque à Serbe. Le contrôle du roi de la sélection. Et Serbe passe en fait en terrain. La passe à droite. Joueur en cap centré maintenant. Et c'est pas facile. Le centre en route acrobatique. Et non, arrêt. Et Gaylor, c'est ça qui est intéressant. Chaque équipe méritait un bon gardien de but. Pas qu'il n'y ait pas soi. Pas qu'il n'y ait but vide. Et donc. Quand vide. On va rien garder pas soi. Et sans quoi. Mais nous allons aller en touche. L'avantage sélection. Et Costa Rica, sans le doute. Donc en Costa Rica, jusqu'à date, à Pakembe. Et là, font bon match. Face à sélection, c'est blanc. Pas gain domination territoriale. André Lacroissy. Et la sélection. Et Costa Rica de football. Ballon contrôlé par la défense en serbe. Yuegen ballon 1 avec un passe à 2. Et Tosic, attention, la passe en profondeur, coup de tête défensif du côté costaricain. Ballon contrôlé par l'équipe, c'est pas Vini Malnova, pas monsieur ça, son maestro lié, ce garçon qui s'appelle Neman Djamatic, son excellent milieu de terrain, monsieur très technique, et vraiment, et c'est un meilleur milieu de terrain qui gagne en mode là. Neman Djamatic, ballon contrôlé par l'équipe serbe, je vais dépasser en direction de Emili Vojevic, ballon contrôlé par la sélection serbe qui pour l'instant a baissé râler et Costa Rica passe en fait en profondeur finalement Navas Rivé, il met tout le monde d'accord et font relance immédiate de la main pour le joueur Giancarlo Gonzalez qui va aller, les combinaisons sur Oscar Duarte, de complémentation entre Oscar Duarte et Giancarlo dans la défense équipe Costa Rica passe en fait rapidement sur le côté droit la déviation fin de corps du joueur serbe maintenant, il est descendu, il a été retenu au passage par le joueur costaricien et c'est bien. Et c'est bien, c'est le Soborges qui avait commis la faute au dépens du joueur serbe. Ballon contrôlé par les Serbes. Attention, et dribble de conservation du joueur serbe. La passe sur le flanc droit vers Branislav. Le centre de Branislav. Coup de tête défensif. Ballon dégagé en corner. Et Fandi que Serbe yo quoi en pile nan ballon aérien puisque yo gagne deux joueurs de grand gabarit qui capable à n'importe quel moment faire filet trembler de la tête. Et là il était une faute avant que joueur te mette boule en corner, il était une faute de attaquant, c'est ça? C'était une faute que arbitre l'a sanctionné pour équipe Costa Rica. Et un ballon que Keylor Navas pour le dégager. C'est 2 minutes yo bay après 45 ans écoulé, c'est toujours 0-0. Rale téléphone nous, jouer bolet tout avec Lisa Lotto, soit en dehors tout champion. Qui est-ce qui a contrôlé une déviation de la tête? Yo joué dans position avec Serbio et qui pourra le capable en retrait en direction le défenseur là, qui a passé avancer ballon bien Nicolas et la passe en profondeur. Est-ce que la est arrivé? Oui, Marcos Ureña, bon dribble d'Ureña, mais yo de oula bon dribble de joueur serbe qui fait li en mode Lisa Lotto et là avec ses contrôles mes côtés et monsieur d'avec lui même avancer le fait un champion vous entendez al tout champion genou puis après ça mine de ce type pays où il y a un carton jaune déjà. Li fin fait faute là, la fait coller sur habit là. T'as l'autre d'où prend un jaune encore rouge. C'est pas oui, non, c'est. Bon, et. Football là, faut jouer avec tête tout. Et c'est vrai, pied à la donne tout, mais faut tête là tout. Mais il y a des fautes qu'on doit faire. Non, c'est calvo que tu gagnes, mais quand même, li qui prend n'importe jaune, qui peut sacrifier le pibier. C'est ça. Et là, gardien qui est capable de dégager Kanye Alexis. Et Stojkovic qui prend Elan. Et habit là. C'est fini. C'est pas le bas ou c'est dommage. C'est la mi-temps. Abitlan qui met ton bout dans la première période là, qui finit 0-0 entre Serbie et équipe et Costa Rica, capitaine. Et ça, il n'a pas appelé les amis sportifs. C'est le 9e match Coupe du Monde Russie 2018 là que n'a pas suivi là depuis le stade. Alors depuis le Samara et Stadium, n'a pas suivi match football ça entre le Costa Rica et la Serbie. C'est score de parité.
CDA qui sanctionne des barreaux, c'est zéro pour la Serbie, zéro pour le Costa Rica. Réellement, mais c'est un très bel match de football. Et à présent, nous prenons le temps d'appréciation de Jean-Hollande Atignav sous première mi-temps et Costa Rica avec Serbie. C'est deux équipes qui ont joué. Mais moi, je m'a dit une équipe de coup, équipe Sevla, et qui gagne la mi-temps, Kolarov, Matic, Jovanovic. Ce sont des joueurs qui finissent exprimer sur le plan international. Ça veut dire qu'ils sont capables. Et sans compter, moi, la Serbie, mon numéro 10, ça, monsieur. Monsieur, son problème lié, parce que j'ai le bon moment de Chris Waddle, l'Angleterre. Ouais. Monsieur, pas qu'on vienne, monsieur Badiblo. Mm-hmm. Ça veut dire que ça, c'est ça, on joue au football. Seul problème, moi, ouais, le monsieur vient faire des blagues, on a un gros problème. Je pense que la Serbie a supposé venir commencer avec deux attaquants. Parce que toujours un seul attaquant qui a goûté contre toute équipe et Costa Rica dans la charnière centrale là, qui vient faire un problème. Parce que vous entraînez pas 10 à 15 fois là, vous pas arrivé à mettre une seule fois, jouer à Teguet en position avancée que tu fais, mettre le ballon. Après ça, je pense que son bel match, un volume football extraordinaire, nous partons pour une deuxième mi-temps que je pense que c'est le plus bel du jour. C'est ça, zéro pour Costa Rica, zéro pour la Serbie, amis sportifs, c'est 9e match à Coupe du Monde ici 2018 là que on a suivi sur Radio Télé 4x4 la Radio Télé Guinée et dans quelques petites secondes c'est pour le deuxième mi-temps Inadel. Ben oui, nous pour aller avant cet autre temps, Lisa Lotto râler téléphone nous et jouer bolet tout avec Lisa Lotto, s'entendre au tout champion EDH qui m'a pour payer courant Digicel n'a pas avancé Alexis. Ballon contrôlé par la sélection serbe, coup de tête en déviation, ballon profitable à l'équipe costaricienne, passe en fait en terrain. Attention à ce contrôle du joueur de la sélection costaricaine, accélération de Brian Ruiz sur le côté gauche. Ruiz, attention Ruiz toujours pour l'équipe costaricaine, intervention de la défense serbe, ballon qui allait en touche. Julien Palotte, Tchako, qualité, quantité, bon prix, duré tout pays, l'aide Gloria, bien presse, riche en vitamines, crème Clarisse, qui a fait pour belle, qui a fait pour bien, ONA, DGI qui m'a dit pour payer taxe à Kempo, AAN, boisson mondiale, Coca-Cola. Yon rentre touche un avantage sélection et costaricaine qui a ce pas Francisco Calvo sur le côté gauche centré. Ballon contré une fois de plus et encore joueur serbe blanc. Il y a en touche un avantage sélection costaricaine qui a ce par Francisco Calvo. Défense latérale gauche là. Ballon contrôlé et par Ureña. C'était Ruiz qui perd du ballon captain. Ancien joueur Ajax. Axel joueur Sporting en Portugal. Ballon contrôlé par l'équipe et l'équipe costaricaine, le centre, intervention de la défense serbe avec un dégagement assuré par Dusko Tosic. Ballon joué en kill, on avance calmement pour la sélection costaricaine. Attention à ce contrôle de la part de Johnny Acosta et Alanda Terrayan. Bonne réception de la part de David Guzman qui font passe en profondeur. Attention, ballon contrôlé par Stelso Bolguer qui joue dans Guzman. Maintenant, il y a faute du joueur serbe au dépens du joueur de la sélection et costaricaine de football. Oui, effectivement. Et donc, et Sergej Milinkovic Savic qui fait faute non, au dépens de Yon Gorson qui relaie David Guzman. C'est deux numéros vecteurs aux prises. Là, où a tout checké Lissa. Oui, râle téléphone. Râle téléphone, ou jouer bon tout sur téléphone ou avec Lisa Lotto tout champion 20. Donc, de numéro 20 au prise. Oui. Yon rentre touche qui va assurer par Branislav Ivanovic, ancien défenseur latéral droit, équipe Chelsea. Attention, et la passe et ballon contrôlé par la sélection serbe de football. Branislav qui gagne un bon passé au niveau de football européen et notamment d'équipe Chelsea. Et mais avant M. Zaki, déjà, on est qui tranquille, lié, non? Branislav Gadla. Donc, c'est un ballon qui allait en touche
Et avantage sélection costaricaine qui assure par Calvo qui devait dépasser en direction de Oscar Dualte qui joue en qui est en avance très serein. Ils font long dégagement à la recherche de Yoran Venegas. Coup de tête défensif. Ballon profitable à l'équipe costaricaine. La passe en retrait. Costa Rica joue bien. Il a offert une meilleure position à l'équipe Serblan. Christian Gamboa est malouin. Alanda Terrien. La passe sur Gamboa à nouveau qui fait prolongement. Mais il fait cadeau ballon. Ballon récupéré par la sélection serbe. Oulala. Miguel de Ribe de conservation. De Milinkovic à Savic attaque du côté serbe, mais le ballon piqué par le joueur costaricain. La passe sur le côté droit, ballon contrôlé par la sélection serbe. Attention à ce prolongement, le contrôle de Dusan Tadic, joueur sans fantôme dans le pays d'Angleterre. Si on joue qui est très élégant, ballon contrôlé. Et si Zéa tombé sous charme, Yoran Venegas et Jean Roulin lui-même, il tombé sous charme. Dusan Tadic, ballon contrôlé par et la sélection. Et serbe de football avec Alexander Kolarov qui a une belle frappe pied gauche. Attention, la passe en profondeur. Kolarov qui t'a participé dans l'équipe qui t'a fait Barcelone crier Anessa dans la Ligue des Champions sous l'équipe AS Roma. Ballon contrôlé par la sélection serbe de football. La passe en profondeur. Maintenant, réception manquée du côté de la défense. Alors, du côté de la sélection serbe de football, ballon Christian Gamboa. La passe de Gamboa en profondeur. Ballon repoussé par la défense serbe et contrôle Poitrine. On peut manquer la déviation de Mitrovic. Danger pour Costa Rica. Oulala. Moi j'ai l'impression que Mitrovic a scoré. Qu'il a effacé gol là, il n'y avait pas en jeu. Oulala, mais quelle sortie du bord de l'équipe costaricaine. Qui en avance, qui mettait ballon en corner. L'aide pour un goal ou connaît fait pas. Pablier m'a toujours dit nous ça, c'est parce que il est dans zone. Attention, corner là qui soulevé, ballon repoussé, c'est parce que dans zone qu'on caca flan qui fait pas toujours elle sous plateau. Parce que monsieur ça son gros gardien que lié, t'as tout l'autre gros gardien. Ballon contrôlé par la sélection et la sélection et serbe de football avec Dusan Tadic, Meni Baba. Dusan, à Costa Rica problème. À Costa Rica problème. Zonza. Et donc vraiment, on s'en dégage. Ballon qui allait en touche. Regardez comment il met ton petit pont. Moi, les gens ça me parle dans un de mon chemin, pas un problème avant, pas vague. Ballon contrôlé par la sélection serbe de football. La passe sur le côté gauche sur Alexander Kolarov qui met des passants en profondeur. Maintenant, ballon perdu et récupéré par la sélection. Serbe qui met des pressions. Danger pour la sélection et costaricaine. Ballon dégagé par la défense et n'a pas gardé. Alors, je ne sais pas si vous rendez compte qu'on n'a pas joué sans encore. Vous voulez pour entrer dans la carrière. Attention à ce centre, ballon capté par le portier de la sélection et costaricaine de football. La personne et la personne qui est en avance et Wina poursuivre et parade Kaylor là, qui était en état de grâce. Donc Mitrovic a pensé le scorer. Mais c'était sans compter son excellent avance qui font bonne parade. Et vraiment, c'est qu'on sent mon avion en haut niveau. Ou senti lui. Il est tellement concentré, il ne va jamais retirer vision en sous joueur et serve là, non? Donc il faut sentir que il vient pour ton bagage en plus et comme étant expatrié. La passe, il faut sentir que il est supérieur à joueur local. Mais avec comme si expatrié, inférieur à joueur local, bagage ça, il n'est pas bon. Et donc. Ballon qui était une faute sous Milinkovic, Savic, encore et David Guzman. Donc, et amateur Boletio, pas négligé. Et prend téléphone nous pour nous checker des bagages. On va nous réaliser ça. Gimba, expatrié, rapatrié. Il faut faire attention. Expatrié, rapatrié. Bon, en tout cas, ça a belle. Ça a belle. Ballon contrôlé par la sélection serbe de football. Attention et à ce contrôle de la part du joueur de la sélection serbe, Meni Medjaza. Nemanja Djamatic, excellent gaucher. Excellent le terrain défensif de la sélection serbe. Joueur Manchester United, ancien joueur Chelsea. Ballon contrôlé et pire gros joueur, les jambes entraînées. Et c'est joueur vraiment qui est plus consensueux. Et donc son garçon maintenant match rentre attaquant du
Francisco Calvo sous Sandra Kolaroflan qui t'a cherché tête un garçon et tankou Mitrovic ouais. Beni ouais ça me dit nous à la mi-temps c'est que ça son problème ou tout va attaquer ou voulez jouer centre là ou voulez jouer avec un seul monde. Si tu as deux personnes là, c'était deux attaquants, tu as été plus facile pour l'équipe là. Attention, qu'on est favorable à la sélection serbe qui prend la beauté de la droite vers la gauche. On a gardé Gromitrovic. Attention, qu'on est beauté, coup tête. Maintenant, c'est à côté. C'est à côté des buts gardés par le porteur de la sélection et Costa Rican de football. Prions le Seigneur. C'est notre prier. Et donc, on a poursuivre. Action à côté. Et défenseur costaricain. Et tape à faire ma cage dans Oscar Dualte. Au dépend de Gromitrovic. Et on a gardé Mitrovic qui a remplacé rapidement. C'est pour un avantage pour la sélection costaricaine. La relance contrôle poitrine de Brand. Louis, maintenant ballon profitable à l'équipe costaricaine et Louis en lutte avec le joueur serbe. C'est Neman Diamati. Tout pas capable dans le pied, mais ça comme ça. Et Louis, on va prendre le pied tout le monde. Mais Matisse là, faut lever bonnet garçon à pied gauche. Là, son pied gauche magique lié. Ballon contrôlé par la défense serbe. Mauvais dégagement. Intervention du côté de l'équipe. Je fais, monsieur, comment c'est fait faute là? Lié à plat final. Comment c'est là? Qui fait faute la route au fait, la voie pas avancer, il vient tout le pipe carré, le pédageux, soit font faute au fait, le pire. Carton jaune pour Guzman, milieu de terrain, équipe costaricaine. Et là, on pensait que c'est un coup franc qui n'a en bonne position pour soi et Kolarov, ou du moins Neman Diamatic. Kolarov. Et Kolarov, bon, belle frappe pied gauche, qui est là, ou carré, vous l'avez sous coup franc ça. Il est en position. Il est en position. Là, c'est en position gauche. Il y a un intérieur pied gauche qui a fait mal à Keylor. Alexander Kolarov, l'ancien défenseur de Manchester City, actuel joueur de la S-Roma. Alors, intérieur pied gauche à Boss, oui. Il y a un foot qui rentre droit. Paul Boss, c'est intérieur. Attention, le métal. Let's go! Go, un pour la Serbie, zéro pour la sélection costaricaine. Sont habitués. Ce garçon qui s'appelle Kolarov, il fait dans Roma, il fait tout en Manchester City et dans position ça. On va jouer avec Serbie, éviter commettre faute dans zone ça pour deux monde l'équipe ça. Neman Diamatic, Kolarov. Alors là, Kolarov montré vraiment Zenono oui. Qu'ils sont tirés d'élite dans la zone là. Et pendant qu'il n'a pas la nouvelle pied gauche là, il mettait le premier pour toi. Là, on pense que Gonti. Intérieur à brosse. Ouais, intérieur à brosse. Bien fort. Bien fort. Il y a qu'il a derrière. Il a tellement de force. Il brosse tout. Ouais. La preuve. Mais encore une fois, nous avons dit au niveau de concentration, je vais attendre de faire faute depuis bien loin. Parce qu'on peut quand même quand même. Ouais. Ou faire faute là, là, ça n'a pas de distance, ça. Ouais. On met des pipes. On met des pipes. Ah oui, mais on a un problème. D'où monsieur, c'est qui on tape Kébé. Monsieur, lui, il faisait pipes à chercher pour mener. Ballon contrôlé par la sélection costaricaine. Attention, passe en fait. En intérêt, en Costa et Kakou, il va laisser lever niveau 1, mettre pression. Pour dans quelle mesure les gars cherchent égalisation face à la sélection. Seb qui a mené par 1-0 grâce à Alexander Kolarov sur coup franc. Ballon rencontré, il y a en touche. Avantage sélection et Costa Rica. Deuxième coup franc direct dans la compétition avec Cristiano Ronaldo. Ballon contrôlé par la sélection et Serbe à la passe sur le côté droit. Jürgen Ballon avec le dangereux et Dusan Tadic. La passe en profondeur danger pour l'équipe costaricaine. Ballon capté par Keylor sous menace. Yon Gorson et Kirele Adem Elaïch. Elaïch c'est un excellent joueur également. Son très bon joueur de couloir. Ballon contrôlé et par la sélection costaricaine de football. Jürgen Ballon passe en fait et n'en défend par la sélection costaricaine KBC organisée avec Oscar
qui est raté sur Giancarlo Gonzalez. Giancarlo, les cap qui est dans le terrain, la passe sur le côté droit. Attention, ce prolongement du côté de l'équipe costaricienne avec le passe de Brandouis. Costa Rica qui est pour devoir faire passer ballon et pas à l'en faire long ball. Et sans quoi, pas bien raison sous Serbio qui c'est deux garçons de grand gabarit et qui dans style de tout. Il y a une faute sous joueur sélection costaricaine. Oui, carton jaune pour Branislav Ivanovic. Je sais avec Eden qui donne un scandale avec un médecin équipe à Chelsea. Hein. Belle doctoresse. Un beau garçon tout. Ivanovic. Branislav Ivanovic. Je vous dis, c'est fête des pères aux États-Unis. Bon, y a petit Juan Venegas pour venir avec Christian Bolaños. Bolaños qui remplace Juan Venegas dans le match football. Boulanios pas jamba de tête libre. Tête bien cassée. Vous avez besoin de faire ville à tête cassée. Pas jamba de tête libre. Ici, les questions très bon changement. D'autant plus, monsieur gagne plus maîtrise de balle. Donc, le monsieur gagne ballon, il gagne expérience tout. C'est que le bras utile équipe Costa Rica. Il y aurait tiré à son zéa. Certains même Juan Villegas dans pile papa. Il y a un avantage à la sélection costaricaine. Et il a gardé Brandouis. Et non, surface non, faut que je surveille Brandouis. Abidla dit non, trop, j'ai donné pour ne pas venir après. Attention, et Koufouan qui soulevé, coup de tête défensif, attention, mais des frappes là. Et le centre, ballon contrôlé par la défense de la sélection CRP, il doit tirer plutôt d'Adi, ballon c'est contre le contre. T'as qu'on remettre, pas ça remettre là. Yo ballon qui allait en touche, un avantage à la sélection costaricaine. Cap mette pression sous équipe serblan. Christian Gambora pour la rentrée touche. Gambora défense latéral droit de la sélection costaricaine. Pendant que n'a profité, ça le tout net qui branchera Dio Téléguiné. La passe sur le côté gauche, Mouanamet. Dio de la retourne l'humain dans Mouanamet. Et le clé, attention le centre. Ballon capté par le portier de la sélection serbe qui met tout le monde d'accord, Vladimir Stojkovic. Et donc c'est pour être capable. Et une passe avec Brandouis. Et Wiss qui pourra laisser lui-même. Et je crois ballon la passe en profondeur. Défenseur l'entape suivre. Et lui mette tête lui. Et un contrôle avec Serbio qui tape essayé jouer. C'était Adam qui t'essaye qui contrôle le ballon. C'est pas pour longtemps. Yo joué dans position ça avec Wiss. Une passe en retrait en direction de Gamboa. Gamboa qui allait pour Yoni Acosta. Acosta qui joue à droite pour Oscar Dualte, Dualte qui est allé dans l'axe pour Celso, Celso qui joue pour Giancarlo Gonzalez, Gonzalez qui est allé pour Bolaños, Bolaños qui joue dans la position avec Gonzalez qui est allé en direction de Christian Gamboa, Yapera Lemoun et Gamboa qui joue avec Gonzalez, Gonzalez qui joue dans l'axe et pour Gros Guzman, Guzman qui est allé à droite avec Gamboa, la passe en avant, mais bonne lecture du défenseur central qui repousse le ballon et qui joue dans position ça avec Sergej Milivojevic Savic qui est capable de contrôler. Yo joué à gauche Costa Rica avec Oscar Dualte et Dualte et qui essaie de jouer en direction de Ureña Celso Borges qui allait pour Francisco Calvo. Râle téléphone ou jouer bolette sur téléphone ou avec Lisa Lotto, sorte de tout champion. Qui est-ce qui a raison? Yo joué dans position ça avec Guzman. Guzman qui essaie lui-même aller à droite avec Christian Gamboa. Gamboa qui essaie jouer en direction de Wiss. Wiss qui quitte lui avec Oscar Dualte. Sorte l'en fait, mais non, ça va marcher. Ballon en Bolaños qui allait dehors. EDH qui m'a dit pour payer courant. On a regardé et reprise, ouverture score là. Et un très bon coup franc de Kolarov. Regardez pied d'appui. Je me suis déposé pied pour le taper coup franc. Et malheureusement, malgré Keylor détiré, il n'y a pas qu'à faire. Ballon qui rentre dans le gol. EDH qui m'a dit pour payer courant pour pouvoir joindre service. Digicel, Duri Tchako. Et qualité, quantité, bon prix, Duri tout pays.
qui est-ce qui a contrôlé une passe en retrait avec Keylor Navas. Navas qui s'est metté en avant et un coup de tête. Yo je le besoin avec Sergei qui a allé li centré. Quelle déviation en fait qui a bon frappe passe en talonnade mais non ballon qui joue un pied et joue Costa Rica et li repousse. Il y a recommencé avec Namposa Francisco Calvo. Francisco Calvo qui jouait de l'axe avec David Guzman. Guzman qui joue Giancarlo Gonzalez. La passe en avant, coup de tête, mais malheureusement, ballon en tête, allez en touche. Whisky raté contrôle. Let l'empalote, let Gloria, bien poisse, riche en vitamines. Crème Clarisse, qui a fait peau belle, qui a fait peau propre. On a DGI, Petax, Akimpo, AN, Coca-Cola, Boisson Mondiale. Qui est-ce qui a contrôlé? Giancarlo Gonzalez, qui joue une position avec David Guzman. Guzman qui allait pour Bolaños. Bon dribble de Bolaños. Bolaños qui a passé avant ses balles au pied. Bolaños qui joue un terrain pour Celso Borges. La passe en avant de Celso. Coup de tête n'est que Serbio. Bravo, repousser ballon. Et finalement, joueur qui mettait lien en avant. La chercher Mitrovic, c'est pas pour longtemps maintenant qu'il y a une faute sur action. Et là, Alexander Mitrovic, qui va laisser lui-même repositionner lui, il y a une faute sur lui. Te gen yon faute sous Mitrovic que Serbio est pral capable et jouer yo pas pressé y a mené yon goal à 0 65e minute nan jwet lan yon pour Serbie 0 pour Costa Rica à droite avec Ivanovic qui jouait pour Nicolas qui mettait li en avant défenseur Costa Rica qui était avec en pile difficulté mettait ballon en touche entre-temps y a entre Adam Elia qui lui-même a suivi et Branislav Ivanovic qui fait retrait touche ça centre d'Ivanovic déviation de la tête mais non ça n'a pas marché et ballon qui lui-même passé à côté et là joueur n'a pas à comprendre comment il fait pas mettre ballon ça dans le goal et là c'est montrer nous et coup de tête de Sergej Milivojevic là et ballon ça qui lui-même passé à côté et un ballon que Keylor Navas pour être capable de jouer entre temps gain encore Ourenia qui quitte place remplacé par Joel Campbell. Quand Joel Campbell coulé qui a joué avec un start de remplaçant en Costa Rica. Ah ben, même dans club, même dans club. Équipe là et en 2014 dans Mondial Brésil là. Malheureusement, Campbell lui-même qui pas démarré mais rentré dans match. Yon passe un cheval fou Campbell ou pas loué. Et qui est-ce qui a contrôlé Kolarov et Kolarov qui te font passe, maintenant dit pas une faute, récupération sans faute de Celso Borges qui allait pour Bolaños qui jouait en direction de David Guzman. Guzman qui a essayé de contrôler, il est allé à gauche avec Oscar Duarte. Duarte qui jouait dans l'axe pour Wiss. Wiss qui jouait Joel Campbell. Campbell qui mettait en avant déviation. Bolaños contrôle en fait la passe sur le côté droit avec Christian Gamboa. Il a fait prolongement pour Bolaños. Bolaños qui gomoun nan Bolaños qui va laisser faire passe là. Bolaños qui contrôle le ballon. Li joue besoin avec Celso. Celso Joel Campbell. Ça va marcher et là joueur Costa Rica de l'axe David Guzman qui allait pour Celso Borges. Borges qui a essayé de contrôler Celso qui contrôle ballon lui jouer en direction de Christian Gamboa ou là fait de quoi ça bon en lice à l'autre le tout champion qu'est-ce qu'a contrôlé yo fait la position ça avec Oscar Duarte. Duarte qui allait en retrait en direction de Giancarlo Gonzalez. La passe en avant déviation de la tête mais non sans succès gardien pour être capable de capter Balloni et lui-même pour être capable de relancer quand on a parlé de Vladimir Stojkovic gardien équipe serbe blanc mais côté
Et Joël Kembel t'a essayé d'avancer. Intervention sans faute, à mon sens, de joueur serbien pour être capable de déposséder Joël de ballon. Et un dégagement de Stojkovic. Contrôle poitrine avec Milivojevic. Ça n'a pas marché. Et qui est-ce qui a contrôlé? Un passe en retrait. Keylor Navas qui dégage Ken. Liab Chachon Moun. Un coup de tête. Contrôle en fait qui est-ce qui a raison? C'est Costa qui a essayé de contrôler à gauche. Avec Wiss, qui est allé Oscar Droualté, il a joué pour Celso. La déviation de Joël Kembel sur le côté droit, en direction de Christian Gamboa, qui est obligé d'aller en retrait sous pression Mitrovic. Il a joué dans la défense là, avec Giancarlo Gonzalez, qui est allé pour Gros David. Joël Kembel, Kembel qui a essayé d'avancer pour Costa Rica, Kembel qui contrôle le ballon, Kembel qui jouait, mais non, mauvaise passe de Kembel, mes amis. Kembel. Pression et pas menacer ou pour que tout le temps on me soit avec l'attitude l'île font mauvaise passe. Alors, comment vous avez dit souvent? Pitompe Kostic qui va le rentrer et dans place Adam et Light même qui quitte place li et Kostic qui rentre et Kostic lui même qui rentre dans joueur déjà la main des ballons. Anticipation avec joueur Costa Rica, repousse ballon, qui est-ce qui a joué? C'est Serblan qui t'a contrôlé Kolarov. Malheureusement, ça bon, faut calmer. Serge Soboges qui dit font poser ou râle téléphone ou jouer bolet sur téléphone ou avec Lisa Lotto, pas pressé. Qui est-ce qui a contrôlé? Yo joué dans position ça avec Oscar Droualté et Alain Buedeh. Paye courant, qui est-ce qui a contrôlé? Yo joué dans position ça avec Oscar qui mettait li pour Wiss. Wiss qui jouait dans l'axe en direction de David Guzman. La passe en avant, gagne une faute, un très bon coup franc. Un très bon coup franc. Non, Kembel, ou pas tirer là-bas pour. Là, c'est pour moun qui gagne un pied droit. Et cause ça, pas cause ou. Et Baybola Nios li. Mais vous quand belle qui n'a préféré by Wiss Shootel. Oui, Van Wiss. Wiss tap tap le pi bien. Ça c'est un monde pied droit qui pour tirer ça à Kembel. Ça pas pour qui de Bolanios. Au moins trop loin, il est trop loin. Au moins Celso Borges. By Bolanios li. De toute façon là, trop loin sans sortir va être nécessaire. Et les gars puis bon l'attitude pour jouer lui parce que c'est lui même qui a fait ballon retourner pour jouer à frapper tête là. Si son droit il shooter le ballon près à droite. Il va non, il va shooter là quand là. À niveau ça, là, on va ajouter là. Bon, ça, peu importe qu'on a, on met les gardiens en difficulté, on met ton droit, on met ton gaucher, gardien pas qu'on qu'est-ce qu'a shooté, qu'on a là qui prend le fait que le pas qu'on s'il a sorti. C'est Joël. C'est Joël. C'est Joël Kembel qui a tiré. Joël Braelan, qui est-ce qui a raison, mais non. Ballon qui repoussé. Équipe Costa Rica toujours à contrôler. Et n'a pas avec Christian Gamboa, qui dégage ballon en contre. Joueur Seblan chipe ballon en Kostic, mais il faut mauvais contrôle. Ballon qui lui-même allait en touche. Et là, il a joué dans position ça avec David Guzman. Et Guzman qui essaie de jouer. Et dans position avec Oscar Droualté qui allait pour Francisco Calvo. Calvo qui joue en Droualté. Il joue au milieu avec David Guzman. Dribble en fait. La passe en avant. Paris position avancée. Je vais le faire pour vous. Mais non, bon retour du défenseur qui repousse ballon en corner n'a pas parlé de Nikola Milenkovic et pas de position avancée. Milenkovic sous pression et joueur là lui mettait ballon en corner et là avec ses moutons Joël qui t'a passé investi sur face là mais sans faute défenseur là mettait ballon et Guzman qui sorti et Guzman qui lui-même quitte place li Wessner qui remplacé par le numéro 9, il s'agit de Colin Bess. Qui rentre corner l'emboté, gardien sorti, il pas joué le ballon en chandelle. Qui est-ce qui a joué le rebond? C'est Costa avec Joël. Joël qui contrôle le ballon. Et sous côté gauche, la fixe Moun. Joël centré ballon contre le rebond à nouveau. Joël qui jouait. Et pour Celso qui finalement centré. Ballon qui repoussé dans la défense russe. Disons, Serblan. Ça oui, c'est fin fait là. Pour ça oui, c'est fin fait. Oui, si. Pose autant de reste match. Qui est-ce qui a contrôlé?
c'est dans position ça Aleksandar Mitrovic qui gagne Bolanios Mitrovic mais non intelligemment il prend rentrer touche ça et ballon qui allait en touche dans avantage sélection serbe blanc Wessner n'a joué 74e minute dans jouette là c'est toujours youn pour Serbie 0 pour Costa Rica mais pas oublier râler téléphone ou jouer bolet tout sous téléphone ou à Clis à l'auto ou tout champion ONA DGI AAN et Bois Boisson Mondial l'avocat champion Coca-Cola. Ballon sorti et c'est pas capable yon rentre de touche au profit de la sélection serbe de football avec Branislav Ivanovic qui pral capable baisser mettez ballon ça en jouette pour équipe serbe blanc la cherche en partenaire long rentre de touche est-ce que pas gagne faute que dit l'arbitre central oui gagne faute au dépens et donc de Bolanios qui te descend très bas vient défendre couleur équipe lui maintenant c'était de préférence et donc Giancarlo et qui lui même pour être capable de repositionner du moins et donc Johan et donc Johnny Acosta ballon pour le jouer qui est-ce qu'a joué une intervention de la tête réalisé par le joueur serbe mais la couverture passe extérieure du droit avec Brian Wiss pour qui est-ce pour personne garder entraîneur dans cap flyer ballon il fait et donc flyer pour le capable dire monsieur ne prend dans Breton là-bas alors qu'on joue football ça va ou que toi moun nan son moun qui compte jouer football le montre libre jouer ballon et puis il fait j'ai sans ballon et puis sortant un ballon passé Alexis passe vent ballon joue très rapide qui est-ce qu'a privé passe le fait en retrait dégagé par Keylon avance le portier costaricien intervention avec et donc le joueur de la sélection costaricienne de football il mettait en avant passe dans l'axe du terrain déviation talon a bien joué capable de problème la frappe le ten mais non ballon qui allait tête goal Sergei Djankini même t'essayer mettre frappe sa main c'était bien compté mal calculé puisque ballon qui était allait tête goal encore une fois réalisateur en cap montrer nous action et là arbitre central grand comboulsa Djedjou et donc qui lui même estimé te gain faute sur action c'est pour le capable ballon pour le jouer avec équipe serbe blanc avec bien évidemment Branislav Ivanov qui prend ten et prend son bien avant les joueurs dans l'axe pour Neman Djamatic la passe sur le côté gauche avec Luca qui mettait en avant danger pour Costa Rica la passe sur le côté droit danger toujours là le centre mais non joueur Garcia Blanc dégage ballon c'est comme si Mdadou son défenseur gelier lui mettait ballon n'a pas les mains de Kostic qui pas arrivé contrôler trajectoire ballon ça et permettre à ce que équipe Costa Rica n'a pas encaissé. Attention, la passe aux abords de la surface d'opération de l'équipe costaricienne. Déviation, est-ce que le marché? Bonne lecture de Francisco Calvo. Contrôle poitrine de Bolanios, ça va marcher. Intervention avec Neman Djamatic. La frappe de ce dernier, monsieur, ça va faire goal souvent. Non, mais chaque fois, la faire goal, c'est toujours go goal. N'a pas les bébés de Neman Djamatic qui t'a essayé de tirer là. Mais malheureusement, pour l'équipe serbe, le ballon t'est contré. Aleksandar Kolarov, le capitaine serbe, qui voit l'exécution. Rentre de tout ça encore une fois n'a regardé côté que et donc Kostic malgré et donc nous attention la fini la frappe le tête mais non déviation de la tête intelligemment qui remet oui, Keylor ballon ça Keylor te dévié ballon parce que c'est une raison qui fait que Philippe Kostic pas tout si à l'aise pour qu'il était capable vraiment mettre ballon quand j'ai besoin nous encore une fois c'est action il a montré nous oui Keylor dévié et ça qui fait ballon le frapper dans pied Kostic et qui pas arrivé, mettez ballon ça. Attention, ballon dégagé, le filet en touche. Nous saluons tout pays en net et quel que soit qu'on toi prend boule à travers le monde là. Vous branchez vrai fausse cadran et nous disons ça déjà en matière de transmission. Radio, télé, Guinée, c'est référence et préférence là. Pas gagné à sortir de là d'ailleurs. Son slogan qui annonçait la couleur, puisque nous disons ça déjà. Anessa, pas fait fort. Son question de tout pour nous. Ballon dans le cas de défense là. Donc, coach là, content, puisque l'Iwe Bagayou a passé bien. Donc, dans le moment que nous parlons, parce que nous faisons une nouvelle génération qui a pourtant puissance amis. Parce que nous faisons sur le côté gauche avec Dusko. Dusko te mettait la gauche. Bon calcul avec Francisco qui allait en retrait. Parce que nous faisons, nous disons ça déjà, un match football.
c'est tant qu'on lecture que vous fait l'elle sorti ou bon bagaille pour faire en tout cas passe le fait sous pas prendre c'est pas moi même ballon dévié avec John Gallo Gonzalez qui mettait le pour Bolaños pas espace il joue en retrait l'ouverture sur le côté gauche avec Oscar Duarte prolongement fait en direction de et donc son coéquipier n'a pas les bien de et Colenza qui lui même rivé est-ce que ça va le venir le centre à l'entrée de la surface intervention avec bien évidemment le joueur Gabolanios il contrôlait mettait en retrait est-ce que ça va le venir avec qui Gamboa mettait le bon calcul attention la frappe un ballon contre au passage qu'est-ce qu'a venu intervention propre du joueur haïtien pas qu'il le tirer la frappe un ballon contre au passage qu'est-ce qu'a venu c'est bien et Branislav Ivanovic qui démettait le boulou Sandadic bon calcul pas venu mal ami petit Sasson la colgolier intervention à nouveau qu'est-ce qu'a privé ballon récupéré par l'équipe serbe avec Neman Djamatic qui va jamais presser monsieur ça mais très sûr de lui la passe sur le côté gauche bien évidemment en direction d'Alexandra qui avait essayé de monter le centre à l'entrée de la surface pour qui est-ce pour personne sinon c'est un costaricien qui dégage le ballon ça puis le lacay c'est la vie éternelle intervention de la bande est-ce que il faut mais non en vue de lundi je boule la déviation du joueur costaricien ou la laquelle contrôle et quelle fin de corps réalisé par le joueur costaricien qui avait essayé de monter le ballon au pied même boule sous télévision payant sous radio télémon Pemba attention ballon contrôlé par le joueur costaricien qui jouait en retrait déjà 80e minute de jeu la passe axial possibilité pour mettre la droite bien évidemment Landa supposé joindre un acteur coup Gamboa qui prolongeait le tacle de récupération ou là laquelle fin de corps quel geste technique réalisé par Joël Menon et donc où des doué tomber des vis premier tacle à faire ou quitter ou résister la déviation de Nemanja qui jouait en direction de Mitrovic il mettait à terre et arbitre central Rakomboulan lui estimait que qu'il y a une faute sur action jusqu'à présent capable de dire c'est toujours 0 pour Costa Rica 1 pour la sélection serbe de football et nous comprenons que tâche là lui pas aussi facile là et s'il était tombé lui pas très résisté à charge là anti arbitre là il était tout prêt action il va d'abord Jambaoul Neman Djamatic et qui lui même capable et relancer pour l'équipe serbe de football il prend tout le temps il va jamais presser parce qu'il en fait un retrait ballon contrôlé par Matic Matic qui mettait en avant mauvaise passe de Matic ballon filé de yo et c'est bien Christian Gamboa qui quittait le pour coéquipier lui n'a pas les bien de Giancarlo Gonzalez qui va laisser mettre ballon ça en jouette il est obligé de jouer en retrait pour qui est-ce dévia sur match Keylor Navas ballon dégagé par Keylor intervention de la tête d'Alexandre Kolarov contrôle pour bien joué la déviation intervention propre au niveau de la défense et donc Costa Rica de football qui est-ce qui joue c'est bien Celso Borges qui mettait pour Brian Wilson qui avait essayé de monter ballon au pied la passe en avant il a tenté alimenter Joël, mais le trop court sur action malgré le dévié. Et arbitre l'a estimé que tu as une faute sur action puisque tu as un pied levé. De la part de Joël Campbell, ami téléspectateur et auditeur Radio Télé Guinée, vous comprenez. Et jusqu'à présent, c'est 81e minute de jeu. Et donc, c'est 0 pour Costa Rica, 1 pour la sélection serbe de football. Mais côté intervention, t'es faite. De la tête, ça va te marcher. Nous comprenons que tâche là, il va être aussi facile. Dans le moment que n'a pas les poils de changement. Et bon, côté équipe serbe, jusqu'à présent, c'est 0 pour la Serbie et c'est 0 pour Costa Rica et 1 pour la Serbie. Et un goal à 0. Hier, on a un match la France là, qui définit 2 goals à 1 et un avantage la France. Nous avons un lob et de Paul Pogba. Et déjà, dans le premier temps, et FIFA a attribué le goal à Pogba. On a retiré ses défenseurs dans le goal. Là. C'est Beich, son goal contre Kane. Et donc, ce n'est pas Pogba qui était buteur hier dans le match et la France. Ballon a été dévié. Oui, ballon a été dévié. Râle téléphone ou jouer bolet ou sous téléphone ou gen un changement dans quelle équipe serbe? C'est Rukavina, le même qui a été match de Lisa Lotto et de pour finir jouer ou tout champion. EDH qui m'a dit pour payer courant ou Digicel, Duri Chaco, qualité, quantité, bon prix, Duri tout payant. Lettre Gloria, bien poisson, riche en vitamines, crème Clarisse, cap clairé ou. On a DGIAN Coca-Cola, boisson mondiale.
Et c'est ça, vraiment, c'est un ballon relancé de la main par Keylor Navas qui mettait sur le côté gauche avec Francisco Calvo. Costa Rica au cap chercher vraiment égalisation de match de football. La passe, madame, monsieur Lelax, en direction de qui la palais justement de Celso Borges qui mettait le passe poitrine de Bolaños. Contrôle en translation avec monsieur Christian Gamboa qui joue le deuxième ballon. La passe de l'axe du côté Costa Rica avec Brian Ruiz qui mettait le pour Gamboa. Qui allait de l'axe, bien joué, ça c'est le Soborges. Monsieur mettait la route, rapidement c'est prêt le ballon avec l'équipe costaricaine. Passe de l'axe en déviation, ballon repoussé par un joueur de la sélection serbe, monsieur Guignel, avec Giancarlo Gonzalez le vaccin qui mettait en retrait avec le porte Navas qui joigne Yoni Acosta à droite devant sa cabine. C'est monté ballon au pied, le contrôle de Yoni Acosta qui tente de mettre la chercher dans la position ça. Et pitié, Joël Campbell qui fait contrôle la passe de l'axe vers Christian Bolaños. Le soulèvement maintenant. Ballon capté par le port Vladimir Stojkovic pour la sélection. Serbe Nouin. Monsieur, équipe la peine par 1 but à 0. L'IPA pressé la peine, monsieur, pour que soit capable de monter Almacé. Le propre territoire. Équipe costaricaine. C'est au ballon à droite avec costaricain. Avec Yoni Acosta. Mettez le ballon poussé de la tête. Un joueur serbe, Jürgen Lelax, lâché ballon, le prolongement sur le côté gauche vers Kolarov qui va déduire Joanny. Passe de Kolarov, danger pour la sélection costaricaine. Couverture avec monsieur Francisco Calvo Mela. Tégain position avancée avec joueur serbe rapidement. Et équipe costaricaine propre trois. Monsieur capable de mettre en avant avec Yomuna que Yorele. Et vraiment, c'est le Soborges qui mettait la déviation vers Ben Ruiz. Le capitaine costaricain mettait la déviation, le Joël Campbell, équipe conséquente avec Brian qui t'était mettait pas cela. Mais non, Brian, ça pas bon ou pas capable de gaspiller ballon mieux qu'on jeune homme. C'est prêt le remise en jeu au 5 mètres. C'est 4 avantages. Équipe serbe avec Portier Vladimir Kostojkovic qui prend le capable de mettre ballon. Monsieur Pressel est prêt pour que les capables de lancer la gagne là. Christian Bolaños, vraiment c'est un joueur expérimenté qui a joué sous couleur équipe à football. Ça n'a gagné tout. Yoni Acosta, le défenseur costaricien. Et là, vraiment, on est capable de comprendre. Costaricien a mis ambiance. Costa et costaricien a mis ambiance. Et vraiment, dans le stade, de façon à ce que vous êtes capable. Ismaël, permettez-moi, je vous dis, c'est fête des pères aux ouais. États-Unis. Nous saluons tout le papa qui a côté nous là. Et Wesner. Oh, James André, Blanc Pays. James, bonne fête des pères. Et là, vraiment, c'est pral, yon ballon avec équipe serbe. La passe, madame, monsieur de l'axe déviation. Qui est-ce qui a privé finalement, monsieur, l'attaque de récupération. Équipe et serbe, monsieur, dans le ballon. Danger pour la sélection costaricaine. Capable de gagner là. Mais bien joué, ça ballon capté par Keylor et le dit. Monsieur, pas une faute, joue boule. Là, regardez vraiment Alexander Mitrovic qui a la tête sur l'action. Et c'est pral, yon ballon avec Francisco Calvo pour la sélection. Costaricaine qui mettait le ballon de vieux par Celso. Tacle. Et là, vraiment capable de comprendre monsieur Serbio. Et certainement, et qui fait intervention. Là, nous allons poursuivre. Intervention avec et monsieur Napalé, justement, et de Giancarlo Gonzalez. Sur action, ça, est-ce que tu as une faute vraiment? Et là, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Alexander Mitrovic n'a pas suivi l'action. Et nous, ouais, Giancarlo, t'as tenté d'intervention, mais l'IPAD joint Alexander vraiment. C'est pral, il couvre l'avantage. L'équipe costaricaine. Et qui dit Fonka Mimkovic est là, faute et commise madame monsieur Pag et Sergei Milenkovic Savic. On va monter sous le nègre là comme ça. Les gars battent. C'est prêt le ballon avec équipe Costa Rica Nogel sur le côté gauche. Contrôle qui est privé. Mais là vraiment on est capable de comprendre. C'est prêt le ballon avec et sélection. Et Serbe qui bénéficie là de yon rentre touche sur le côté droit. Et ça ne doute pas le gagner. Yon l'autre changement.
bon côté Serbie, puisque nous avons gagné numéro 8, on a parlé bien de Prijovic. Lui-même qui est capable d'entrer dans le match de football, ça c'est prêt à l'entrée touche à droite avec Branislav Ivanovic qui mettait le ballon repoussé. Deuxième balle avec la sélection costaricaine de la défense. Monsieur a gagné la position aussi là avec qui est-ce n'a pas allé sur ce match de Giancarlo qui mettait le prolongement vers Joel Campbell. C'est Joe Campbell qui a pointé Il mettait la vaquette à Sandra de Terg. Ballon repoussé par le joueur serbe qui est privé. Contrôle de cette position. Le prolongement sur le côté droit. Monsieur fait contrôle avec qui nous a parlé justement d'Antonio Rukavina qui mettait en retrait l'équipe. Et serbe met le ballon contré. Et ballon sac qui finit en touche d'avantage Serbio. Et oui, prêt le changement puisque gagné Aleksandar Mitrovic qui prend le place. Jean que nous dit là. Et pour monsieur ça qui c'est. Prijovic lui-même, Aleksandar Prijovic qui prend le retrait sous couleur de sélection serbe et là n'a pas gardé vraiment et fanatique de équipe eux-mêmes et qui a poursuivi évolution match football ça entre Costa Rica et Serbie. N'a pas gardé monsieur lui-même capitaine français Aleksandar Mitrovic qui prend le remplacé par Aleksandar Prijovic capable de comprendre et là vraiment en pile each, il y a un nom sous la terre. Monsieur Cap cherche un nom, il y a toujours un nom bon ici. Et là, c'est prêt à le ballon avec l'équipe Costa Rica. Là, je regarde vraiment fanatique. Yo, yo même qui déplacé dans Samara Arena pour que yo capable de venir porter mes fortes avec vraiment deux équipes. Yo vraiment, là, je regarde et je vois que Giancarlo Gonzalez qui a assuré que Prijovic n'est pas à l'aise. C'est prêt le ballon avec l'équipe serbe. Monsieur Guéla passe le jeu pour la sélection Costa Rica. Frappe, mais nos ballons ça. Qui passait vraiment au-dessus au Patabam El Konyeye. C'est prêt le ballon avec l'équipe Costa Ricaine qui maîtrisait le remise en jeu au 5 mètres, au 50, mesdames, messieurs. Et là, vraiment, nous, ballon ça qui dépasse légèrement au-dessus. C'est prêt le Yokouva d'avantage. Équipe Costa Ricaine, 5 minutes de temps additionnel. Et là, vraiment, ou capable de prendre, monsieur, pas capable de mettre le ballon. C'est prêt le Yokouva d'avantage. Équipe Costa Ricaine. Et là, Costa Rica. Pour lui-même, même si on était 10-15, l'étape, puisque l'a cherché égalisation, alors que Serbio, même et 5 minutes 9, on comprend que l'Ipatron avantageux, monsieur Pral, certainement resserrer les gants, remotiver un peu plus pour que capable. Au moins faire victoire là, si possible c'est prêt à couvrir l'avantage équipe à Costa Rica. Monsieur mettez le ballon vous êtes la deuxième balle avec Lidia là, Mbappé fait même jouer avec DJ à la vie de papa. Mbappé fait même avec DJ à pour mettre tout le monde d'accord. Les couches sous ballon le ballon les caisses qui arrivent ballon poussé de la tête le deuxième balle avec l'équipe et avec l'équipe à Costa Rica. Jürgen la position c'est là avec Daniel Colindres. Autre ballon, Daniel Colindres toujours KPC préterrain mais non. Et ballon ça qui file vraiment en touche. L'avantage équipe à Costa Rica. Dribble entre station. Ça son dribble. Lisa Lotto. Monsieur va capable de mettre ballon. Il a tenté le vers Celso Borges. Il était là avec Christian Gamboa. Gamboa toujours la cherche partenaire. La passe de cette position, le contrôle du côté costaricain passe vers Joe Campbell. Il fait contrôle là, il est capable de mettre là le prolongement vers Francisco Calvo. Ballon repoussé, récupération serbe, passe de l'axe. Bien joué ça du côté serbe avec Sergei Milinkovic-Savic. Bien joué ça, joueur de football. Yoni Acosta, le soulèvement de G. Ballon dévié de la tête par un joueur serbe et ballon ça qui file vraiment en corner. L'a regardé Aleksandar Kolarov qui dit là, monsieur, n'a pas géré 3 points. C'est Pral, Yokoner de la gauche vers la droite avec Christian Bolaños. Il est capable de mettre le ballon, monsieur. Après ça, il est capable de mettre le Christian Bolaños. Le soulèvement de Bolaños, ballon dévié. Qui est-ce qui a privé? Deuxième balle avec la sélection serbe. Monsieur KPC contre Anakela. Est-ce que je vois la passer? Danger pour Costa Rica. Mais les passants qui est droit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, jouer au football. Monsieur Fanwick. On ne peut pas faire comme ça, Philippe Kostic. C'est prêt le ballon avec l'équipe costaricaine. Intervention avec Neman Djamatic. Et là. Oh oh. Capable de comprendre.
Non mais Neyman Djamatic ou mené 1-0, les gars qui a toujours qu'un ballon de yo Matic. C'est souterrain pour être pas doit al frapper et vraiment un monde qui fait partie d'un cadre technique équipe Costa Rica. La prend carton jaune seulement. Non mais la prend carton. Les gars qui a qu'un bel parce qu'il besoin goal. Les gars qui a qu'un bel Matic, il besoin goal. C'est où pour pas venir dans goumer avec le ballon. Mais pour ça Matic a couru des ballons ça tout. On mène 1-0. On va mener Matic. On mène 1-0. C'est bien le jeu pour marquer ah oui. C'est pour Lyon couvrir un avantage. Bon, et tout le monde mourir au fond. C'est pour Lyon couvrir un avantage. Équipe Costa Rica. Non, le soulèvement de Keylor qui mettait le ballon là. Mais finalement, arbitre là, pas de combat signal là. Arbitre là, sans le doute, pas de combat signal là pour Keylor était capable de mettre le ballon dans la jouette. Et là, nous, arbitre là. Cap font si parler avec arbitre qui dans vidéo yo il a chose c'est pas une mon carton je nous là l'a tendu là un carton jaune là ouais j'ai l'a tendu l'arbitre sénégalais Djediou Malanga et là monsieur lui-même dit j'ai match bol ça va bien fait tête chaud là c'est moi qui va contrôler un carton jaune un carton pour le bail. Et là, ballon joué, ballon dévié de la tête par un joueur serbe, ballon dégagé, qu'est-ce qu'a pris anticipation la défense costaricaine, monsieur Balka va mettre le centre, danger pour la Serbie, ballon dévié, frappe, ballon contré, et donc, il y a une position avancée, et ballon tout, pas d'après chemin filaire. Là, on regarde Christiane Bolanios, madame, monsieur, qui t'a essayé, frappé pour l'équipe, et là, c'est frappe. Sac pour bon. C'est Fraban Wissant pour bon. Bolanios déjà en position avancée. Je dis Brian Wissant, nous connaissons qui ont un gros scrap, monsieur en patte, en réussite, du tout dans la football. Brian Wissant, le capitaine de la sélection costaricaine, madame, monsieur, et là, c'est prêt à le New couvrant l'avantage en sélection serbe. Monsieur Balka va mettre le ballon à la relance, ballon à l'air, ballon levé de la tête par un joueur serbe, ballon dégagé par Christian Gamboa, la défense costaricaine est là. Est-ce que Vadim Fondablet dit non, monsieur Joboul, ballon soulevé, qui est-ce qu'a privé? C'est Pral, yo ballon avec équipe costaricaine, costaricaine, yo pressé. Et là, vraiment, n'a pas gardé monsieur lui-même qui a joué vraiment pour l'attaque équipe liée là, entre temps gagné. Yo joueur costaricain qui est à terre, mais monsieur lui-même, yo besoin de mettre ballon en camp, ballon soulevé, ballon avec. Qui est-ce qu'a privé? Est-ce que l'a sorti? Ballon dégagé par un joueur serbe et la Costa Rica ou pour qu'on contre-prenne. Monsieur Zayou a mené sous vous et pour besoin de goal et à l'instant même, c'est fini. Non, c'est pas encore fini. Il est tombé, il a vraiment dit ça qui passe. Et là, vraiment, arbitre là, qui font petit campé là pour que le capable encore consulter monsieur qui dans la vidéo. Le réalisateur n'a pas jamais suspendu de montrer nous. Joueur ça. Oh! N'a pas parlé justement d'Alexander et Prijovic qui retire match au bon salvage. Alexander Mitrovic. Wow. Là vraiment, monsieur Passenaga, un bon patasuel. Mais ni, bao! Qu'est-ce que ça nous m'a dit? Johnny Acosta. Et là. On a ces Varlan qui va le décider. Est-ce que ça t'a dit? Attends. Monsieur Pral sanctionné la noue arbitre là qui dit bon mal garder. Bon mal font garder. Si vous estimez que c'est de manière volontaire, monsieur a pris carton rouge. Gardien son coup dans le visage. Gen gardien Égypte là qui te recevoir prix homme du match Mohamed El Chenaoui et dans match face à Hugo il a malgré il était perdu. Ah joueur là lui-même il refusait trophée parce que trophée il sponsorisé par une marque qui vend alcool et religion on ça pas d'alcool donc il pas pour trophée. Bon. Et là vraiment on ça n'est pas le sport. Et pas gagné décision arbitre là pas bailler carton. Et il va gagner ballon dévié danger. Ballon repoussé de la tête. Intervention, deuxième balle avec la sélection. Et serbe avec. Et monsieur n'a pas parlé bien de Prijovic qui était en train de mettre le contrôle avec Keylog. On va besoin pour mettre. Et à l'instant même, c'est fini. Victoire de la sélection
Serbe, madame, monsieur, 1-0 face à la sélection costaricienne sur Takyombu sur coup franc de la part d'Alexander Kolarov-Ginadel.